Comment vous êtes rencontrés? Par Grindr. Grindr? Moi, ouais, c'est comme un genre d'application pour... se faire des amis. Ouais. Oh non, Manon est encore malade? Oui! Je l'entends vomir, mais je sais pas où aller. Faites attention, là, il y a des flaques de vomi un peu partout dans la maison, là. Bon. Avez-vous parlé à votre père dernièrement? Non, pas depuis une couple de jours. Il est pas en congrès à Tremblant? Non. Il est pas en congrès, votre hostie de menteur de père. Ben voyons. Je suis désolée de vous dire ça. J'ai pas vraiment le goût de vous apprendre ça, là. Mais... Surtout à toi, Sarah Maud. Ta mère, c'est une traînée. Mais ton père, c'est l'homme que j'ai marié, puis tu venais avec. Je t'ai toujours traitée comme ma propre fille. C'est pas vraiment vrai, ça. Tu lui faisais même pas de lunch au primaire. Bien, à 7 ans, on est capable de se faire une sandwich. Je suis pas sortie, ça. Bon, fallait que je fasse imprimer mon groupon pour aller au spa avec Tante Micheline. Tu sais, elle a pas l'estime d'elle ben ben haut, là, depuis que son fils y a écrit dans sa lettre de suicide qu'elle était une mauvaise mère, là. Fait que moi, j'ai pensé que ça lui remonterait le moral. Votre père avait laissé son Facebook ouvert sur l'ordi. Et surtout, sa conversation avec Jean-Guy Turbide. Son partenaire de squash? Non. C'est pas juste son partenaire de squash, si tu vois ce que je veux dire. C'est quoi, il joue au tennis aussi? Je l'ai confronté, puis il a tout avoué. OK, je pense qu'on devrait peut-être... Votre père est homosexuel. J'ai pas vraiment le goût de vous dire ça, mais j'ai pas vraiment d'autres mots pour vous le dire. Oh! Je l'entends encore vomir. Je le savais. Comment tu le savais? Ben oui, qu'est-ce que je te dise? Tout le monde le savait, là. Il m'empruntait mes pants de cuir pour... jouer au squash. Il fallait pas être une lumière pour comprendre quel genre de balle l'intéressait. Ouais, je sais, il y a toujours eu des petites tendances, là. Quand on faisait des partouzes, là, dans le temps, avec les voisins, là, ils étaient bien plus intéressés par les... en tout cas. Mais tu sais, j'en faisais pas de cas, là. C'était les années 80, on était pas mal toutes gays à l'époque. Je savais pas, moi. Tu savais-tu, toi? Ben, Francis me l'avait dit, ouais. On me dit jamais rien, moi! Ça, c'est parce que t'es pas capable de garder un secret, Sarah Maud. Hey, reviens-en de Maxime Vézina, là. On était en secondaire 4, pis tout le monde le savait que tu tripais dessus, là. T'avais sa photo dans ton agenda, si boire! Je suis désolée, mon petit chou. Si j'avais su, là, je l'aurais pas laissé jouer à poupée avec toi. C'est quoi le rapport? Ben, tu serais peut-être pas... Tu sais, si ton père avait pas été aussi présent, là... Si j'avais su... Franchement, tu penses que je suis gay aujourd'hui parce que mon père jouait avec moi quand j'étais petit? Mais... Calvaire, mom! Oh! Bon, Francis, viens m'aider, là. Sinon, ça va, toi? Oui, ça va, ça va. T'es sûre? Yes. Ouais, correct. Mettons que ça pourrait aller mieux. Oh, je pensais que c'était l'amour fou. Non, plus vraiment. Il y a des trips bizarres dernièrement. Quand on fait l'amour, là, il veut que je le choke, genre. Il est pas capable de jouir si je l'humilie pas un peu. OK, oui. Tu sais, j'aime ça quand c'est rough des fois, mais j'aime ça me coller aussi. J'aime ça quand c'est tendre, tu sais. Lui, il est pas tendre pantoute. Il veut que j'y crache dans la face en l'insultant. J'aime ça, la tendresse, moi. OK, ça remonte, arrête ça, là. On a plus 15 ans, c'est devenu weird. C'est pas weird. T'es même pas ma vraie sœur à 100%. On a le même père, là. Moi, je trouve ça assez weird, là. J'ai tout le temps le goût de te frencher. Quand je t'embrasse, c'est comme si je me goûtais un peu. À doigt d'un mur. OK, c'est un peu élevé comme première date, man. Ouais, je m'excuse, je m'attendais comme... Écoute, t'es super fin, mais c'est comme too much information pour moi, matin.
Tu sais, je sais même pas c'est quoi ton nom de famille, mais je sais que tes parents faisaient des orgies des années 80, que ton père est gay, puis que tes sœurs ont le goût de frencher, tu sais. Bédard! Son nom de famille, c'est Bédard. Ah. Bon, ben, je vais y aller, moi. Bonne thérapie, les Bédards. Non, mais c'est pas tout le temps comme ça, hein? Nos soupers de Pâques sont bien smooth. T'aurais pas pu attendre un autre moment. Ben, je suis désolée, mais fallait que ça sorte. T'en trouveras d'autres, là, des boy toys sur ton, grinder, là. T'es tellement plate. Tu gâches tout le temps tout. Bon, fais bien comme ton père. Littéralement, en plus. Bon, moi, faut que j'y aille, là. Je sais que c'est une révélation, là, mais faites-vous-en pas pour moi. Votre père et moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas de sexe, là. Mais tout est beau, on en a parlé, là, puis on fait notre petite business. Ça, là, c'est pour Manon. Elle aime vraiment pas ça. Fait qu'il faut que tu y enfonces, là, cru, dans gore, hein, hein, pour qu'elle l'avale. Ah, oh, on dit le même, là. veux-tu un livre? Oui, oui. Faut que j'aille rejoindre Jean-Simon au Cora. C'est notre brunch de fête. Mm.